Merci Père, nous t'aimons, nous t'apprécions. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous demandons Seigneur, en ce jour, que ta main soit puissante, soit sur chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon Amen. Vous pouvez asseoir. Faire pour plus. Vous et moi, nous sommes créés pour avoir plus. Tout ce que nous avons eu, tout ce que nous aurons expérimenté, nous sommes créés pour avoir plus. Tout ce que nous avons réalisé dans le ministère, nous sommes faits pour avoir plus. Ainsi donc, vous devez penser à vous-même, personnel. Tout ce que nous disons, tout ce que nous lisons, vous devez personnaliser cela. Je vous dis ça, c'est moi. Peut-être vous n'êtes pas encore là, mais c'est moi. J'y arriverai. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Nous parlons plus de grâce pour de plus grands exploits dans le ministère. Plus de grâce pour de plus grands exploits. Jacques. Jacques chapitre 4, 6. Il donne plus de grâce. Il donne plus de grâce. Quand vous regardez ce mot grâce, pensez à la grâce. Pensez à plus de grâce. Pensez à beaucoup de grâce. Pensez à une multitude de grâce. Plusieurs s'arrêtent à la grâce. Mais, il y a plus de grâce, c'est ce qu'il a dit. Il donne plus de grâce. Il y a beaucoup plus de grâce et il y a une multitude de grâces. Cela dit, ça dit des grâces de plusieurs facettes. C'est une grâce rare. Dans tel domaine, grâce. Je pensais que les gens disent que la grâce est seulement pour le salut. Il y a plus. La grâce, c'est également pour la sanctification. La sanctification des croyants. Et le Seigneur purifie, purge. Premièrement, la grâce pour le salut. Pour la sanctification. Troisièmement, la grâce pour la fermeté. Il y a des gens qui commencent, ils ne savent pas comment continuer. Ils ne sont pas fermes. Un jour, ils sont faibles, l'autre jour, ils sont forts. Mais quand vous êtes ferme, premièrement, la grâce pour le salut. Deuxièmement, la grâce pour la sanctification. Troisièmement, la grâce pour la fermeté. Ensuite, quatrièmement, il y a la grâce pour la souffrance. Quoi? Oui, la grâce pour la souffrance. L'apôtre Paul ici dit, il était souffleté par Satan, par les messagers de Satan. Et il allait prier. Et Dieu n'a pas ôté ce qui était là. Et il a prié encore. Il a prié encore. Et le Seigneur lui a dit, dans cette condition, dans cette souffrance, ma grâce t'est suffisante. Il y a la grâce pour le salut. Il y a la grâce pour la sanctification. Il y a la grâce pour la fermeté. Il y a la grâce pour la souffrance. Et dit, quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Et ceux donc qui ne comprennent pas qu'il y a plus de grâce, ils pensent seulement que nous avons la grâce pour le salut. Lorsque la souffrance vient, quand la persécution survient, ils posent des questions à Dieu. Questions à Dieu, pourquoi, pourquoi? Au lieu de demander plus de grâce, beaucoup plus de grâce, une grâce multiple. Alors il y a la grâce pour le salut, il y a pour la sanctification, pour la fermeté et pour la souffrance. Il y a aussi la grâce pour le service, pour le service. Il dit pas la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a donnée m'a amené à travailler plus que eux tous. Il y a la grâce pour le service.
Le Seigneur t'appelle au service. Et le service est plus grand que ce que tu es. Le service est plus grand que ce que tu as fait par le passé. Et tu dis d'accord, comment est-ce que je peux faire ceci? Et il me dit, c'est pas la grâce. La grâce ne t'arrête pas au salut. La grâce aussi est disponible pour le service. Sixièmement, il y a la grâce pour le succès. Tu veux réussir dans le ministère. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu dois le méditer jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Regarde les devoirs, regarde les responsabilités, regarde le travail qu'il m'a confié. Et je me dis, mais comment est-ce que je peux le faire? Et je regarde les Écritures. Et je prends ce passage, je médite ce passage des Écritures. Comment est-ce que je médite les Écritures? Premièrement, je lis. Je lis ce passage des Écritures. Deux, je comprends ce passage des Écritures. Et je dis, voici ce qu'il dit. Il dit ce qu'il veut dire. Et il veut dire ce qu'il dit. Peu importe la grande promesse que le Seigneur donne, il dit ce qu'il veut dire et il veut dire ce qu'il dit. Je lis, je comprends et j'applique, je personnalise. Ça, ce n'est pas simplement pour les gens de l'Ancien Testament, c'est pour moi. Et ceci n'est pas seulement pour les gens du Nouveau Testament, c'est pour moi. Ceci n'est pas seulement pour certaines personnes spéciales, c'est pour moi. Je personnalise ce passage des Écritures et je l'applique, j'applique ce passage à ma vie. S'il y a quelque chose à faire là-bas, je le fais. S'il y a quelque chose à prier, je fais la prière concernant. S'il y a quelque chose à mémoriser et à avoir dans ma vie pour que lorsque les défis viennent, que je puisse dire, voici, c'est pour moi, je lis, je comprends, j'applique et je pratique. Vous savez, si je ne pratique pas les Écritures, si je ne fais pas ce qu'il dit, c'est comme si je n'ai jamais lu. C'est comme si je ne fais pas cela une partie intégrante de ma vie. Je pratique ça tellement jusqu'à ce que ça fasse partie intégrante de ma nature. C'est comme ma seconde nature. Ça, c'est moi. C'est ce que j'étais auparavant. Et voici l'addition du ciel à ma vie. Ça, c'est de cette manière que nous comprenons les Écritures. Maintenant, je prie avant de lire les Écritures. Ça veut dire quoi? Si je ne sais pas comment prier, j'ouvre par exemple tel verset, il accorde une grâce. Je prie avant de lire. Je dis, Seigneur, tu parles de la grâce, tu parles de plus de grâce. J'ai besoin de plus de grâce, j'ai besoin de plus de grâce, j'ai besoin d'une grâce multiple. Seigneur, je te demande. Je me demande de grâce. C'est quoi la grâce? G-R-A-C-E. En anglais, ça fait la richesse de Dieu au dépens de Christ. Et dit, Seigneur, tout ce que le calvaire a pourvu pour moi, je prie. Tu as dit que tu vas me donner plus de grâce. Plus de grâce aujourd'hui, plus que la grâce d'hier. Parce que les défis d'aujourd'hui sont plus grands que les défis d'hier. Et je prie, je lis les Écritures et je prie conformément à ce que je lis. C'est ce que tu as promis, accomplis ta promesse et donne-moi plus de grâce. Donne-moi plus de grâce, beaucoup plus de grâce. Donne-moi une grâce multiple. Quand ta grâce est dans ma vie, tu ne vas pas échouer, je ne vais pas tomber. Et je ne vais pas faillir. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande. Tu as dit de demander et il me sera donné. Tu as dit de chercher et je vais trouver. Tu as dit de frapper et tu ouvriras la porte. Je demande pour plus de grâce. Je cherche plus de grâce. Et je frappe
pour avoir plus de grâce. Je prie, je lis les Écritures. Et ta parole a dit, tu donnes, il donne. Merci Seigneur, tu m'as tellement donné aujourd'hui. Tu m'as donné hier, tu m'as donné l'année dernière, tu m'as donné le salut en son temps. Tu m'as donné la fermeté toutes ces années. Tu me donnes la sanctification comme je prie et je me confie en toi. Dans la souffrance, la persécution, tu m'as donné la grâce. J'ai besoin de grâce pour telle chose particulière aujourd'hui. Il donne, le Seigneur, lui le Créateur, lui le Rédempteur, lui le Père du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, je regarde ce passage des Écritures et je prie et en lisant les Écritures et je dis, Dieu résiste aux orgueilleux. Je dis, Seigneur, je suis dans le royaume, je crois en toi, je me confie en toi. En acte 4, verset 31, il dit, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ne sont pas restés là, dans leur chambre, en parlant langue. Quand ils étaient remplis à nouveau du Saint-Esprit, ils sont sortis et ils ont déclaré la parole avec audace, courage, assurance. C'est ce que la grâce fait dans nos vies. Quand vous êtes timide, il vous donne l'intrépidité. Là, vous étiez tremblotant, il vous donne l'audace maintenant. Et vous serez audacieux. Pour le royaume, pour Dieu, pour le royaume, vous serez audacieux. Verset 33, on nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait. Voyez cela, il y a la grâce. Il y a beaucoup de grâce. Il y a une grande grâce. Il y a une multitude de grâces. Il y a une grande grâce. Grâce plus grande que ta force. Grâce plus grande que tes défis. Grâce plus grande que le devoir qui t'a donné. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alors, si je devais prier concernant cela, je vais dire, Seigneur, il n'y a pas d'exception sur eux tous. Je fais partie de l'Église sur eux tous. Je fais partie des ministres que tu as appelés, qui sont consacrés, que tu as commissionnés, et tu m'as dit d'aller. Maintenant, tu n'appelles personne sans la grâce disponible sur eux tous. Seigneur, alors donne-moi la grande grâce dont j'ai besoin pour l'œuvre que tu m'as confiée. Je lis, je prie selon ce que j'ai lu. Nous parlons aujourd'hui, comme je l'ai dit, du message intitulé « Plus de grâce pour de plus grands exploits dans le mystère ». Le message est en trois parties. Premièrement, la grâce suffisante pour les saints et les serviteurs dans son royaume. Deuxième point, nous voyons les dons spirituels pour les chercheurs des âmes pour le roi. Troisième point, nous voyons les objectifs durables par les bergers et les sujets sous sa royauté. Quel est le roi? Sa royauté, sous sa royauté, sous sa royauté. Nous parlons de trois choses. Il y a la grâce, il y a le don, troisièmement, il y a les objectifs. Nous devons commencer par la grâce. Nous n'avons rien du tout. Nous ne possédons rien de nous-mêmes. Nous avons besoin de sa grâce. Et après cette grâce,
Il y a ce qu'il fait, il faut faire. Nous avons mis de son don. Une fois que nous avons la grâce, nous avons les objectifs. Et les objectifs, c'est là où nous allons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous allons accomplir. Les objectifs. Nous avons objectifs personnels. Il n'y aura pas de réalisation. L'objectif que vous voulez atteindre, l'objectif que vous voulez réaliser, ce que vous voulez accomplir. Premier point donc, la grâce suffisante pour les saints, les croyants. Les saints dans le Nouveau Testament, c'est un autre mot pour désigner les croyants. La grâce suffisante pour les saints et les serviteurs dans son royaume. En Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les activités. Ce n'est pas par le devoir. Ce n'est pas par les responsabilités. Le salut vient comme résultat de la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voyons en Tite au chapitre 2. Tite 2, 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais voici, j'ai soif. Je ne peux pas creuser l'eau du rocher. Je ne peux pas attendre pour que quelqu'un là-bas, le Sauveur Jésus-Christ, il sait que je ne peux pas creuser le salut, je ne peux pas posséder le salut de moi-même. Ainsi, la grâce de Dieu, source de salut, et me dit que cela a été manifesté à tous les hommes, pour toi, pour moi. Quelle que soit la grâce que je ne peux pas avoir, tu peux l'avoir. Quelle que soit la grâce que Paul ou Pierre, quelle que soit la grâce qu'ils avaient, je peux l'avoir. Je ne le dis pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce sont les apôtres, ce sont les gens qui ont mangé ou vécu avec Jésus. De même, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Et était manifesté. Amen. Verset 12. Elle nous enseigne. La grâce. Elle nous enseigne. Il y a des gens qui ont la grâce. La grâce est là, tranquille, silencieuse, dormante. Et ne dit rien. N'enseigne rien. La grâce de Dieu, qui a été manifesté à tous les hommes, apportant le salut à tous les hommes. On dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre de façon sobre, à vivre par la grâce. On ne vit pas par les luttes en luttant. Et comme si le Seigneur dit, je vais porter ton fardeau, je vais régler ton problème, je te donnerai ma vie. Et la vie que je mène, et si je devais être sur la terre, la vie que je mènerai, je te donnerai cette vie comme don. J'ai entendu parler d'une vieille, un vieux ou une vieille, mais elle était au bord de la route. Elle voulait un véhicule pour la, et elle avait un gros fardeau qu'elle pouvait porter sur la terre. Alors ce chauffeur généreux qui passait s'est arrêté. Il a dit, madame, où vas-tu? Elle a mentionné le lieu. Le chauffeur allait au même lieu. Alors le chauffeur a dit, tu es comme ma maman. Parce que quand je te regarde, tu es aussi vieille que ma maman. Maman rentre. Et elle est entrée avec son fardeau.
Mais le chauffeur continuait. Et le chauffeur a regardé derrière. Et maman était assise derrière le véhicule. Et elle a mis son fardeau sur la tête. Et le chauffeur s'est arrêté. Il me dit, maman, c'est quoi le problème? Tu portes ton fardeau sur la tête pendant que tu es assis dans le véhicule. Il dit, oh mon fils, je ne voulais pas te donner un fardeau complémentaire. C'est pourquoi je suis assise. Tu as été vraiment bon envers moi pour me donner une place dans ton véhicule. Est-ce que je vais encore espérer beaucoup plus? Je vais encore prendre ton offre et mettre mon fardeau par terre sur un autre siège? Le chauffeur a dit, maman, le véhicule a te porte et ton fardeau. Même si tu mets ça sur la tête, le véhicule porte toujours le poids de maman et le poids du fardeau. Maman a compris. Le véhicule, tu peux toujours déposer ça dans le véhicule. La même chose avec la grâce de Dieu. Je suis sauvé. J'ai des défis et je commence à lutter de moi-même. Non, la grâce peut te porter et tes problèmes. Plus de lutte, plus d'essais et plus de sueur. Alors le Seigneur nous amène à vivre dans la justice, dans la piété. Dans ce siècle, dans ce présent siècle, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance, parce que la grâce de Dieu est venue, elle nous soutient, la grâce pour le salut, la grâce pour la sanctification, la grâce pour la fermeté, jusqu'à ce que l'espérance bénie soit réalisée. Et l'avènement et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et se faire pour lui-même. Rappelez-vous, nous parlons de la grâce de Dieu, source de salut qui a été manifestée à tous les hommes. Et cette grâce est suffisante dans le salut, est suffisante pour la sanctification, elle est suffisante pour ta fermeté. Je ne suis pas fort. La grâce entre et te rend fort. Oh, je ne sais pas comment être consistant et ferme dans ce que je dois faire. La grâce vient. Et te rend ferme. Je ne sais pas si dans mes persécutions, dans mes défis, comment je peux tenir. La grâce de Dieu vient et elle te rendra ferme. Tu vas tenir. Tu vas tenir. De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Quelqu'un dit, quand je vois ces gens zélés là, comment ils conduisent, comment ils bougent, comment ils agissent et comment ils prêchent toujours à un moment pareil, je me dis, oh, j'aurais bien voulu avoir de telles passions. Oh, j'aurais bien voulu avoir de telles poursuites. Oh, j'aurais bien voulu avoir de telles ailes. La grâce de Dieu. Fais de toi une personne particulière. Ce n'est pas en essayant, c'est en se confiant en lui. Ce n'est pas par la sueur, c'est par la foi, par la grâce de Dieu. Maintenant, il peut te purifier pour être une personne particulière, zélée pour les bonnes œuvres. Le Seigneur fera beaucoup plus que tu aies jamais eu dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce moment, comme nous sommes ensemble, comprends le secret du zèle pour le Seigneur, le secret de la fermeté et le secret pour être tout ce que tu dois être. Ce secret est dans le Seigneur. Tu
sera ce qu'il a créé pour que tu sois. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous allons à Dieu dans la prière. Je veux être tout ce que Dieu veut que je sois. Comment est-ce que j'arrive à le faire? En jeûnant 40 jours? Pas du tout. Comment je le fais? En regardant quelqu'un comme un héros. Et j'essaie de le copier. Quand tu copies quelqu'un, c'est comme quand tu as quelque chose d'écrit. Et tu copies cette chose de ce qui est écrit. Après avoir fini de copier, regarde ta copie et regarde l'original. Ta copie ne sera jamais comme l'original. Alors, copier Nero, copier un homme, copier un prédicateur, copier quelqu'un, tu ne seras jamais l'original parce que tu as une photocopie. Mais l'apôtre dit, je pourrais essayer de copier Pierre, j'aurais pu essayer de copier Jean. J'aurais pu essayer de copier André. Parce qu'une copie, une faux copie ne sera jamais comme l'original. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est le secret. Tu seras qui tu dois être. La grâce de Dieu va balayer la faiblesse de ta vie. Va balayer toute impotence, toute faiblesse de ta vie au nom de Jésus. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce envers moi n'a pas été vaine. Disons maintenant, j'ai ma dévotion personnelle devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as fait de moi un pasteur. J'ai besoin de ta grâce pour être qui je dois être. Tu as fait de moi un évangéliste. Un évangéliste avec démonstration. Un évangéliste avec évidence. Seigneur, par ta grâce, je veux être ce que je dois être. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Quand je sors, fais ce que tu m'envoies faire. Il ne doit pas avoir d'échec. Il ne doit pas avoir de faiblesse. Il ne doit pas avoir de frayeur. Il doit avoir de réalisation d'accomplissement. Parce que ta grâce que tu m'as donnée ne sera pas vaine. Mais, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. La grâce m'a fait que je ne me compare pas aux autres. Mais je peux travailler, je peux prêcher, je peux courir, je peux faire tout ce qu'il veut que je fasse, plus qu'ils n'ont fait. Nous nous affaiblissons quand nous regardons les autres. Pourquoi il est le seul qui va dans les nations, qui va partout et qui évangélise? Et lui, et l'autre. Quand Pierre regardait Jean, il a dit, Seigneur Jésus, regarde Jean, tu m'as dit ce que je dois faire, ce que l'autre doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus a dit, en quoi ça te regarde? Qu'est-ce que tu as à faire? Ce que Jean peut faire, ce que Jacques va faire, ce que les autres vont faire. Suis-moi. Pas de comparaison. Ils ne font pas comme toi tu le fais. Pas de plainte. Peut-être le défi qu'ils ont n'est pas comme le tien. Ne te plains pas. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Quand tu prends toutes ces choses et que tu les comprends
et tu rumines, tu médites ces choses dans ton cœur chaque jour, la grâce de Dieu va te porter. La grâce de Dieu va te soutenir. La grâce de Dieu va effacer tes larmes. La grâce de Dieu va ôter la fatigue de ta vie, le découragement. La grâce de Dieu va ôter le découragement de ta vie. Laissez-moi vous donner un verset de plus avant de passer au point suivant. En Colossiens au chapitre 4, verset 17. Colossiens chapitre 4, verset 17. Et dites à Archip. Est-ce que tu as jamais rencontré ce nom avant? Vous connaissez Pierre, vous connaissez Jean, vous connaissez André, vous connaissez Matthieu, vous connaissez Luc, vous connaissez les autres, vous connaissez Marie, nous connaissons les noms. Mais voici un nom nouveau. Dites à Archip. Je n'ai pas vu Archip avant, mais je vois ça dans le Nouveau Testament pour la première fois. Je ne te voyais pas avant. Je te regarde pour la première fois. Et le Seigneur de te dire, tu es l'archipe maintenant. L'homme nouveau, la femme nouvelle. Est-ce que tu es, quel est ton titre, ton bishop, ton évêque, je ne connaissais pas. Est-ce que tu es un pasteur? Je ne savais pas. Avant cette, je te rencontre pour la première fois. Est-ce que tu es un évangéliste? Je ne sais pas. Je te rencontre pour la première fois. Mais je rencontre Archip pour la première fois. Et le Seigneur dit de dire à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, dans le Seigneur. Prends garde à cela. Veille dessus. Tu veilles sur ce que les autres ont pour qu'ils fassent bien, qu'ils tiennent bien. Ça, c'est bon, c'est bon. Mais, premièrement, prends garde et prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Voyez ceci, afin de le bien remplir. Afin de le bien remplir. C'est ce qu'il dit, de te dire. La grâce de Dieu te parvient. Plus de grâce, grâce multiple. Avec cette grâce dans ta vie, tu accomplis le ministère. Ça veut dire quoi? Remplis le ministère. Quand nous prenons, remplis le ministère. Plein. Rends plein, rends plein, rends plein. Vous voyez ça? Vous voyez un verre d'eau? Verre d'eau. Et regardez l'eau qui est au milieu. Il dit rempli jusqu'à ce que cela déborde. Le verre, c'est ton temps. Le temps que tu dépenses, moins que la moitié. Remplis-le, rends-le plein. Le verre symbolise le devoir que tu as. Et quand tu regardes ça, tu as reçu, tu as donné, mis un peu d'effort dans ce verre. Rends-le plein. Avec toute la grâce que tu as, rends-le plein. Avec tous les dons que tu as, rends-le plein. Avec toute la force que tu as, rends-le plein. Avec tout le temps que tu as. Et quand tu le rends plein, remplir, et tu vas remplir le ministère que Dieu t'a donné. Tu le feras, parce qu'il y a la grâce suffisante pour les saints et les serviteurs dans son royaume. Deuxième point maintenant, nous voyons les dons spirituels pour les chercheurs d'âmes. Pour le roi. Le roi est Jésus-Christ. Et il donne tout outil dont tu as besoin, tout instrument dont tu as besoin. Et il fait de toi un outil renouvelé, un instrument renouvelé qui fera les œuvres du Seigneur. Vous savez, il nous donne les dons nécessaires. Les dons nécessaires. Les dons d'un docteur,
Le don d'un docteur est différent du don d'un ingénieur. Et il n'y a pas de raison pour qu'un ingénieur aille vers le gouvernement et dire « Docteur, mon ami, et vous lui avez donné tous ces outils, tous ces équipements pour travailler avec. Oui, est-ce que tu es un docteur? Non, moi je suis un ingénieur. Mais voilà, il est mon ami. En tant qu'ami, mais toi tu as un appel différent. Tu as l'appel d'un ingénieur. Tu auras les dons et les outils convenables à ce à quoi Dieu t'a appelé. La même chose. Comme tu regardes l'appel de Dieu dans le Nouveau Testament, il y a un apôtre. Il a le don approprié. Il est un prophète. Il a le don approprié. Il est un évangéliste. Il a le don approprié. Il y a un pasteur, un berger. Il a un don approprié. Il y a un enseignant. Il a un don approprié. Ce que je veux relever, tu es un chercheur d'âmes pour le roi. Comme tu cherches les âmes, comme un évangéliste, il y a des dons appropriés. Si tu cherches comme un apôtre, il y a des dons qui sont disponibles, appropriés pour toi. Les dons spirituels pour les chercheurs d'âmes. Pour le roi. Jean 4, 10. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné de l'eau vive. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le sauveur qui te demande, tu lui aurais donné l'eau et il t'aurait donné l'eau vive. Ça, c'est le salut, la vie éternelle. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est la libération. Et c'est devenir membre de la famille de Dieu. Ça, c'est le premier don. Car on n'a pas ce don du salut en essayant. On ne l'obtient pas en travaillant. Il y a des gens qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur et ils n'ont pas de relation avec le Seigneur de l'œuvre. Ils vont dans une église régulière. Et quand vous entrez là-bas, oh, ah, tel travaille et il arrange les chaises. Oh, l'autre travaille et il fait de grandes choses. Mais vous dites, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Il dit, oui, vas-y. Pour qui travailles-tu? Je travaille pour le Seigneur. Est-ce que tu connais le Seigneur de l'œuvre? Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux connaître le Seigneur de l'œuvre? Je ne connais pas le Seigneur de l'œuvre, mais je connais l'œuvre du Seigneur. Tu dois arrêter et te poser la question. Le Seigneur de l'œuvre, le Seigneur du ministère, tu dois être connecté à lui. Tu dois être converti à lui. Tu dois être engagé à lui. Il y a la connexion que nous devons avoir au Seigneur. Maintenant, quand nous avons cette conversion, nous pouvons faire l'œuvre du Seigneur. Don. Romains 5, 17. Si par les offenses d'un homme, la mort a régné par un seul, l'offense d'Adam et Ève qui ont envoyé le péché dans le monde, comme l'offense d'un homme, la mort régnait. Qui ont reçu la grâce abondante, le don de justice, régneront dans la vie par Jésus-Christ.
Nous recevons le don de justice. Nous ne pouvons pas l'acheter ça dans une épicerie. On ne peut pas acheter cette justice dans une boutique. On ne peut pas acheter cette justice dans une dénomination. Voyez, les dénominations, et demandez-leur où se trouve là l'épicerie des biens que vous avez dans la dénomination, dans une dénomination. Nous avons ici la Bible, ici. Nous avons le livre de prière commune. Nous avons les constitutions de notre Église. Est-ce que vous avez en réserve les dons de justice? De quoi parlez-vous? Non, on ne vend pas ça ici. Ce don, vous ne pouvez l'avoir que de Christ, quand vous croyez en lui. Le don de justice. Nous avons le don du salut. Nous avons le don de la justice. Et dit, ceux qui reçoivent le don de la justice régneront dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ. Je prie que le don du salut, les dons, on ne perd rien. Venez à Christ, c'est à vous au nom de Jésus-Christ. Le don de justice. On n'achète pas, c'est un don. Mais cela a été donné à chacun au nom de Jésus. Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission pour le pardon de vos péchés. Jésus le Sauveur est disponible pour tout le monde. Et comme vous repentez, vous détournez de tout ce qui est contraire à Christ. C'est ça. Vous voulez Christ, son Seigneur, Sauveur, le Rédempteur. C'est lui, le donateur de la vie éternelle. Et vous faisiez face à telle direction. Et je vous dirige. Qui cherches-tu? Je cherche Jésus. Ah, il n'est pas là-bas. Reviens, tu le trouveras pas ici. Ce détour, c'est la repentance. Tu te détournes de ce qui est opposé à Christ, contraire à Christ, et tu viens à lui en te repentant. Et dis, sois baptisé, que chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous dites, je crois en lui. Vous dites au public que c'est celui en qui je crois maintenant. Vous dites au public, il est maintenant mon Seigneur et mon Maître. Et on vous plonge dans l'eau du baptême. Vous ne luttez pas avec la personne qui vous baptise. Vous vous soumettez. Et ce baptême est un signe, est une évidence que vous vous soumettez à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il lave vos péchés par l'eau du baptême. L'eau ne lave rien du tout. L'eau, le baptême, c'est une évidence que vous êtes abandonné à Christ, que Christ vous a lavé par son sang. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut ôter toutes mes tâches? Rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Oh, précieux est le sang qui est venu dans ton cœur et qui t'a lavé plus blanc que la neige. Et regardez la dernière partie et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, les dons spirituels, le salut, c'est un don. La sanctification, la sainteté, c'est un don qu'il nous donne, le baptême dans le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est un don qu'il nous fait. Verset 39.
car la promesse est pour vous. Je lis, je prie concernant les Écritures. Je peux avoir sommeil, mais je lis ça et je dis, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu as un don pour moi. Merci pour le don du salut. Merci pour le don de la sainteté. Je viens pour le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour que je puisse l'avoir. Le même don du Saint-Esprit que tu as donné à ces gens-là au temps biblique. Et ils étaient forts. Et ils ne pouvaient pas être intimidés par quoi que ce soit. La promesse est pour toi et pour tes enfants, pour me convertir. Si vous l'avez eu, pourquoi ne pas enseigner tes convertis? Pourquoi ne pas enseigner? Pourquoi ne pas leur dire qu'il y a une puissance venant du ciel? Il y a une autorité du ciel. Il y a une onction du ciel. Et c'est un don que tu as reçu. Tu dois leur en parler. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin. Tu viens de Jérusalem. En son temps, il n'y avait pas d'avion. Et aller de Jérusalem au Nigeria, ça c'était loin. Et aller dans un pays asiatique, de Jérusalem, il n'y a pas d'avion, c'est loin. Et aider à ceux qui sont au loin. Ça veut dire alors, ceux-là qui ont le don du salut ici, la promesse est pour eux. Pour ceux qui sont au loin, la promesse est pour toi. Il dit la promesse est pour toi. Si je dis, si tu as été à Jérusalem avant, depuis que tu es né, de lever la main, peut-être très peu de personnes peuvent lever la main. Et je dis, ah, toi tu n'as pas été à Jérusalem, toi tu n'as pas été, et tu dis, pasteur, ce lieu est loin. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes loin de Jérusalem, mais le don n'est pas loin de toi. Le don est pour toi. Tout cela que notre Dieu appellera. Est-ce qu'il t'a appelé pour le salut? Est-ce que tu as reçu l'appel au salut? Un aussi grand nombre que notre Dieu appellera. Le don du salut, la sanctification également, c'est un don. Et le don du baptême du Saint-Esprit. Corinthiens 7, 12. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Est-ce que vous avez entendu parler des dons de l'Esprit au pluriel? Les dons de l'Esprit. Il dit à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. La parole de sagesse. Une parole est une petite partie d'une phrase. La parole est une petite partie d'un paragraphe, une petite partie de toute une page. Un seul mot, une seule parole est une petite partie de tout un livre. Un livre de plusieurs pages et vous regardez un seul mot, petit, ce que ça veut dire. Dieu a toute la sagesse pour remplir un grand, même au-delà. Mais il fait les dons de la parole de sagesse, de la sagesse, qui remplit tout l'univers. Il connaît tout concernant tout le monde. Il peut planifier de bonnes choses pour tout le monde. Mais quand tu as besoin, dans ton petit coin,
dans ta petite vie, dans ton appel. Tu as besoin de la sagesse. Et on dit à un autre la parole de connaissance. Il n'y a pas toute la connaissance que Dieu a. Simplement une parole de connaissance dont tu as besoin. Pour cette heure, pour ce moment, il te donne la parole de connaissance par le même esprit. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. Il dit à un autre le don des guérisons par le même esprit. Verset suivant. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, mais le verset 11 maintenant. On dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons de l'esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, le discernement des esprits, il donne cela, il fait le don de foi et le don de guérison, le don d'opération des miracles, le don de parler en différentes langues, diverses langues et le don d'interprétation des langues. Tous les dons. Et il donne à chacun différemment comme il le veut. Ce don, connaissance, la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, très don, combien peux-tu en avoir? Ça dépend de ton utilité dans le ministère. Prends un homme, même dans l'Ancien Testament. Et vous avez Élie. Regarde l'armée qui vient. Et on voulait l'arrêter et l'envoyer dans un pays étranger. Il avait la parole de connaissance. Il savait qu'il venait. Qu'est-ce qu'il allait faire? Quelle sagesse? Quelle chose pratique allait-il appliquer? Il savait. Comment il allait appliquer la sagesse. Et quand ils sont venus, là où il allait les diriger, parole de connaissance, la parole de foi, Seigneur, rends-les aveugles. Et ils ont été aveuglés. Il a dit, il va vous conduire vers l'homme, le vrai homme que vous cherchez. Ils étaient des soldats. Et ils se sont soumis à la personne qu'ils sont venus arrêter. Il avait l'opération des miracles. Comme don. Et ils sont allés. Voici l'homme, le roi qu'il cherchait. Vraiment. Il a dit, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient le don de foi. Et leurs yeux ont été ouverts. Et le don de guérison. Naaman est venu. Rempli de lèpre. Le même homme. Élisée, il a dit, va lui dire, va te laver dans le Jourdain cette fois, plonge-toi et sors, et tu seras guéri. Il n'a pas changé. L'homme s'est fâché, il a fait tout ce que, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que les eaux de notre chien, nous ne sommes pas. L'homme avait donné la parole, et quand les gens ont plaidé avec Naaman, maître, tu t'avais dit de faire quelque chose de plus grand, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il est allé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, il s'est plongé et il est sorti. Et la guérison s'en est suivie. Et je dis, si un seul homme dans l'Ancien Testament pouvait avoir 7 des dons, en dehors du parler en langue et de l'interprétation qui a été réservé pour les croyants du Nouveau Testament, s'il pouvait avoir... Tu l'auras. Après tout, ce n'est pas quelque chose pour lequel je paie. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois payer. Tu dois avoir ta part. Nous venons dans le Nouveau Testament et je regarde Paul.
Nous voyons la parole de connaissance qu'il avait. Et tu penses au discernement des esprits qu'il avait. Et cette demoiselle. Voici les hommes de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. Et au moment opportun, il regarda en arrière et chassa ce démon. Le démon disait la bonne chose, mais ce n'était pas par l'esprit du Seigneur. Et il a chassé et pensé à son don de prophétie, comme il parle de l'enlèvement, comme il parle du jour du Seigneur. Pensez à la puissance de la foi, les chants, la louange. Les portes de la prison ont été ouvertes. Tout a été enlevé. Pensez au don de guérison. Il a prêché l'évangile. Un seul homme qui n'avait jamais marché dans sa vie a regardé Paul et Paul l'a regardé sans le toucher. Il a dit, lève-toi et suis tes pieds. Et il s'est levé et il a commencé à marcher. Les 9 dons de l'esprit, l'apôtre Paul les avait. Parce qu'ils sont disponibles pour les suivants de Christ dans le Nouveau Testament. Et Dieu merci, c'est disponible pour toi. Qu'est-ce que je paye? Il n'y a rien à payer. Jésus a tout payé. Tu peux avoir les dons spirituels comme chercheur d'âme. Et tout don dont tu as besoin, tout est disponible. Troisième point, les objectifs durables par les bergers et les sujets sous sa royauté. Nous voyons des enfants jouer. Qui sont sur le terrain là-bas. Qui a une chose ronde que nous appelons ballon. Et ils jouent, et ils courent, et ils crient, ils courent derrière. Mais il n'y a pas de poteau, de but. Et parce qu'il y a de but, ils s'amusent simplement dans la vie. Si vous n'avez pas de but, quelque chose d'objectif. Vous vous amusez. Cette chose. Les enfants jouent. Ça ne peut pas être enregistré. Il n'y a pas de spectateurs. Et ils le font. Ils perdent du temps. Combien parmi nous dans la vie, comme ces enfants, nous n'avons aucun but, pas de poteau. Et nous ne mettons aucun but. Parce qu'il faut les poteaux. Pendant que vous jouez le jeu de la vie, le jeu du ministère, vous devez avoir les poteaux, les buts, afin d'avoir, de mettre de but. De même comme nous sommes appelés de Dieu. Quels sont mes buts? Quels sont tes objectifs dans la vie? Quels sont tes objectifs dans le ministère? Quels sont mes objectifs comme je viens ici? Je veux encourager les ministres. Je veux voir ce que je fais, ce que je dis. Toute interaction que j'ai eue, nous voulons encourager. Je veux illuminer. Je veux donner d'énergie et je vérifie ce que j'ai dit, ce que j'ai prêché. Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Ça, c'est mon but. Est-ce que j'ai illuminé quelqu'un? Ça, c'est mon objectif. Est-ce que j'ai évangélisé quelque part un jour? Ça, c'est le but. Est-ce que j'ai édifié quelqu'un? Ça, c'est l'objectif. Est-ce que j'ai donné de l'énergie à quelqu'un? Celui qui était faible avant, soudainement, il réalise, je peux être fort dans le Seigneur. Que cet objectif soit accompli dans ta vie.
toi, tu dois avoir un but. Et ça doit être des objectifs durables, pas des objectifs que j'ai aujourd'hui. Parce que quelqu'un est venu m'appeler, viens, 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 viens. Quelque chose de bon se passe là-bas. Et tu es enflammé. Et je vais là-bas. Parce qu'il a dit que quelque chose se passe là-bas. Et le feu, c'est comme le feu de brousse. Vous connaissez le feu de brousse? Vous voyez ça dans la forêt là-bas. Vous voyez la brousse là-bas. Et les cultivateurs rassemblent les feuilles, ils rassemblent tout. Et ils mettent le feu. Et en un rien de temps, le feu disparaît. On ne parle pas de ce type de feu. Le feu, les buts durables. J'ai un but maintenant. Demain, je me réveille et j'ai toujours l'objectif. Et la semaine qui vient, j'ai toujours l'objectif. Les objectifs durables. Pas les bergers, les sujets sous sa royauté, sa puissance royale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. S'il n'a pas d'objectif, Dieu t'en donnera. Un objectif digne de ce nom. L'objectif qui mérite que tu étudies. Ah, je suis un homme, je suis une femme d'objectif. Amen. Amen. C'est l'objectif qui donne un sens à ta vie. La motivation. Tu as besoin d'un chauffeur. Et des chauffeurs. Oh, j'aime ta manière de conduire. Chauffeur. Bon, chauffeur. Où vas-tu? Ah, l'homme dit. C'est une question difficile. Où est-ce que je vais? Parce que tu conduis. Je croyais que tu allais quelque part. Non, monsieur. Oh, j'aime conduire seulement. Il n'a pas d'objectif. Il n'a pas de destination. Est-ce que tu es comme ça? Tu sues. Tu passes du temps et d'énergie. Et tu conduis, tu conduis. Je dis, ah, est-ce que je peux te parler? Tu dis oui. Je veux te parler aussi. Quel est ton objectif dans la vie? Tu es passionné. Et tu poursuis toujours. Et tu travailles. Et tu exerces tout ce que tu as. Qu'on appelle énergie. Où vas-tu? Quel est ton but, pasteur prédicateur? On ne parle pas d'objectif ici. On pense aux activités. Mon père l'a fait. Très actif. Et mon père l'a fait actif. Et moi aussi, comme enfant, j'ai copié papa. Et j'ai copié mon papa. Comme ils étaient actifs, moi aussi, je suis actif. Et quand tu viens au dernier jour sur terre, que diras-tu à Dieu que tu as fait en atteignant des objectifs? Ah, pasteur, je ne pense pas que je dirais quelque chose à Dieu, puisque le fait qu'il connaît tout, il sait que j'étais actif. Il sait que j'étais proactif. Il sait que j'ai couru, j'ai travaillé, j'ai couru, j'ai fait beaucoup de choses. Il sait que je ne suis pas un homme paresseux. Je suis actif tous les jours, d'accord? Ton activité. Qu'est-ce que cela aurait accompli? Dieu ne cherche pas l'activité. Il cherche l'accomplissement. Et l'accomplissement est l'objectif. Tu auras un objectif. Je dis, tu auras un objectif. Luc chapitre 4. Verset 42, Luc 4, verset 42, 4, 42 de Luc, Luc 4, 42. Dès que le jour parut, il sortit alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivaient jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir
afin qu'il ne les quittât point. Ça, c'est Jésus. Il voulait localiser Jésus. Il ne comprenait pas qu'il est le sauveur du monde. Du monde. Il voulait qu'il soit le sauveur actif de cette localité. C'est ce qu'ils vont te faire si tu n'as pas d'objectif. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu es venu, pourquoi tu vis et où tu vas. Ils disent, reste ici. Imaginez-vous si Jésus était resté dans cette localité-là seulement. Imaginez ce qui serait arrivé quand ils ont dit ne nous quitte pas. Verset suivant, 42. Verset 42. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce. Est-ce qu'il y a une nécessité dans ta vie? Si tu as un but et tu regardes l'objectif et tu veux atteindre l'objectif, tu dis, je dois aller là-bas et tu y arriveras. Je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes. Ça, c'est l'objectif. C'est un objectif. Il faut que je prêche le royaume de Dieu à d'autres villes, car c'est pour cela que je suis envoyé. Ça, c'est un objectif. C'est pour ça que je suis envoyé. Merveilleux. Quiconque est appelé par le Seigneur, il les envoie faire quelque chose. Moïse va en Égypte. Fait sortir ces gens-là. Et amène-les à adorer sur telle montagne. Et amène-les à la terre promise. Ça, c'est un but. Josué, Moïse, mon serviteur, est parti. Et amène les gens dans le pays. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Traversez le Jourdain. Et distribuez. Et partagez-le. Enseignez, amenez-les dans le pays. Ça, c'est l'objectif. Néhémie, tu es dans le palais du roi. Ce n'est pas l'ultime. L'objectif, retourne dans le pays. Esther, partie. Va tout réorganiser et rebâtir les murailles. Pierre et André, Jacques et Jean, vous deviendrez pêcheurs d'hommes. Et vous n'allez pas rester ici, au bord de la rivière. Vous serez pêcheurs d'hommes. Et quand le jour de la Pentecôte sera venu, ils étaient tous remplis dans le même lieu. Et tout d'un coup, il y a un bruit qui est venu du ciel. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu est venue sur eux. Et ils parlaient en langue, telle que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et plus tard, on dit, Pierre se leva et dit, voici, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit maintenant. C'est ce que Christ avait donné. Parce qu'il est maintenant au ciel à la droite du Père d'en haut. C'est comme ça que vous avez crucifié. Christ là, Dieu l'a ressuscité des morts. Et il dit, oh mes frères, que ferons-nous? Et il leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Même ceux qui sont au loin, en aussi grand nom que notre Dieu les appelle. Avec d'autres paroles, les a-t-il encouragés? Et ceux qui reçurent sa parole furent environ 3000 âmes, furent baptisés. Ça, c'est l'objectif. Il a quitté le bord de la rivière en pêchant les poissons et il est venu
au bord de la Pentecôte et des milliers sont venus dans le Seigneur. Ça, c'est l'objectif. Que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et l'œuvre sera faite, accomplie. À la porte, je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a élevé ça, l'objectif. Tu laisses cette rivière. Suis-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Un objectif. Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est un vase choisi. Il révélera mon nom, mon salut, au roi et aux juifs et aux païens. Et il ouvrira leurs yeux et il les fera sortir des ténèbres à la lumière. Et il les fera passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et Paul, l'apôtre Paul, est allé. Et il a dit à la fin, j'ai gardé la foi. J'ai fait la course, une couronne de justice, mais réservée non seulement pour moi seul, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Jésus avait un objectif. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que nous allons penser à la fin de la vie? Et tu réalises, oh, je m'en vais. Mais l'objectif qu'il a fixé devant toi, tu n'as même pas touché un pourcentage. Et la vie maintenant est sur le point de prendre fin. Je prie que tu ne regrettes pas au dernier jour. Aucun de nous ne regrettera au dernier jour. Il t'a appelé. Tu as répondu à l'appel. Tu te consacres à cet appel. Finalement, tu vas continuer à travailler pour le Seigneur. Et à la fin, tu diras, j'ai achevé l'œuvre qu'il m'a donnée. Et quand tu quitteras la terre, tu iras dans l'au-delà, les anges seront debout pour t'accueillir. Ils diront, sois le bienvenu. Regarde l'homme, regardez la femme. C'est l'homme d'objectif, c'est la femme d'objectif. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour accomplir, atteindre l'objectif. Sois le bienvenu. Et Jésus-Christ viendra te rencontrer et dit, sois bien fait, bien travaillé. Tu t'es donné des objectifs, tu ne t'es pas retiré, tu n'es pas tombé, tu n'as pas échoué. Maintenant tu es ici, suis-moi. Tu m'as suivi sur la terre, suis-moi maintenant. Je vais t'amener dans ta demeure. Tu as une demeure au ciel. Atteins les objectifs, ne regarde pas par-ci, par-là. Ne te préoccupe pas de quelqu'un d'autre fait ou dit. Sois un homme d'objectif, sois une femme d'objectif. Et accomplis les objectifs pour lesquels Dieu t'a appelé. Ce sera glorieux pour toi et pour toute l'éternité. Amen. Levons-nous maintenant et nous allons prier. Tu reçois de plus grandes grâces. Tu reçois de plus grands dons et tu as de nouveaux objectifs à atteindre. Le Seigneur va t'utiliser, le Seigneur va te conduire et il va canaliser tes efforts dans la meilleure direction et pour de bonnes directions. Aujourd'hui, tu n'es pas la personne que tu étais hier. Tu n'es pas l'homme, la femme que tu étais hier. Les jours de faiblesse sont passés. Les jours de confusion sont passés. Et un jour nouveau commence aujourd'hui dans ta vie. Où es-tu? Avec ton cœur. Avec ton âme,
avec ta pensée, tu t'es déjà donné au Seigneur. Et le Seigneur se donne à toi. Lève ta main, Père. Nous te remercions. La grâce plus grande que celle du passé, au-delà de la grâce du passé, Seigneur, envoie-la sur chacun au nom de Jésus. La grâce pour le salut soutenu. La grâce pour les expériences de sanctification. Grâce pour la fermeté. Pour tenir dans la souffrance. La grâce pour le salut. La grâce pour le succès. La grâce pour aller plus haut. Donne à tout ton peuple, tes fils, tes filles, au nom de Jésus. Mon Seigneur, tout ce que tu donnes est réel. Tout ce que tu donnes sera manifesté. Et je prie que la grâce multiple de Dieu repose sur chacun. En cette personne là-bas en particulier, réclame-la pour toi. Perçois-la. Reçois-la. Crois en elle. Et tu l'auras au nom de Jésus. Seigneur, les dons pour l'heure, les dons pour la moisson et les dons pour une vie heureuse et un ministère prospère. Accorde à chacun au nom de Jésus. Le concept de faiblesse haute de chaque vie. Le cœur qui palpite, est-ce que je peux, ôte, est-ce que je peux, de chaque vie, et remplace-le de je peux. Seigneur, donne la confiance à chacun, avec Christ en moi, avec Christ régnant en moi. Je peux. Dis, je peux. Je puis tout. Par Christ. Qui me fortifie. Seigneur, je prie que les dons commencent à se manifester dans la vie des pasteurs, des prédicateurs, des membres, de ceux que tu as appelés. Les dons de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, les dons de foi, les dons de guérison, les dons de l'opération des miracles, les dons de prophétie, les dons de différents types de langues, les dons d'interprétation. Seigneur, je prie. Fais de tes serviteurs, de tes ouvriers, de tes serviteurs, de grands serviteurs au nom de Jésus. Seigneur, fixe tes objectifs devant à ton peuple. Quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Quelque chose qu'il faut poursuivre. Quelque chose qu'il faut poursuivre. Quelque chose pour lequel il faut être passionné. Je prie, Seigneur. Fixe des objectifs à chacun au nom de Jésus. Seigneur, je prie. La fermeté pour que nos visages, nos regards soient fermes, que rien ne nous détourne, que rien ne nous change de direction, que rien ne nous distrait. Pensez focalisé, pensez fixé, pensez fidèle, poursuivant et avançant, accomplis-le dans chaque vie. Seigneur, personne ici n'est plus un échec. Personne ici ne sera mis de côté, que chacun soit au centre de ta volonté et au centre de l'œuvre que tu nous as confiée. Que chacun accomplisse, que chacun fasse l'œuvre
et réalisent que le succès de l'esprit vous suive à la maison. Que l'envol de l'importance dans le ministère accompagne chacun sur le champ de mission. Toute femme, tout homme, tout jeune, toute personne âgée, donne-leur quelque chose à faire qu'ils n'ont jamais fait par le passé. Et mets de témoignages dans chaque bouche, témoignages dans chaque ministre, homme, femme, d'accomplissement. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.